Découvrez les résultats de l'Observatoire économique national 2022-2023 des achats responsables auprès des prestataires ESATEA. Recourir aux ESAT et entreprises adaptées, c'est accélérer sa performance économique et responsable. Avec près de 2400 prestataires de l'économie sociale et solidaire partout en France, ce sont 170 000 professionnels en situation de handicap qui exercent leur métier. Au total, ces ESATEA ont réalisé un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros en 2022. Les ESATEA, ce sont des prestataires agiles et inclusifs qui innovent au service des professionnels en situation de handicap et de leurs clients. En développant le triptyque innovation, compétences, qualité, 93% d'entre eux ont réalisé des investissements ces deux dernières années. 61% des ESATEA se sont également lancés dans un nouveau métier, conciliant utilité sociale, développement des compétences au sein des territoires et écoute des besoins de leurs clients. À ce titre, 97% des clients se déclarent satisfaits ou très satisfaits des prestations des ESATEA. Ils se positionnent comme des partenaires de confiance, avec un top 3 des avantages concurrentiels cités par leurs clients: proximité, qualité des services et adaptabilité aux besoins. Les ESATEA, ce sont aussi des acteurs en mesure d'apporter une réponse globale aux enjeux RSE de leurs clients. 89% des entreprises et organisations publiques réalisent des achats responsables. Pour 62% d'entre elles, l'achat aux ESATEA constitue un levier pour améliorer leur performance environnementale et sociétale. 60% indiquent que la labellisation RSE est désormais un critère de sélection de leurs fournisseurs. Dans cette dynamique, 69% des entreprises et organisations publiques souhaitent développer leurs achats responsables auprès des ESATEA d'ici les 2 ans à venir. Les ESATEA, ce sont enfin des partenaires clés pour développer l'inclusion dans les entreprises et les organisations publiques. 42% des entreprises et organisations publiques accueillent des travailleurs handicapés issus des ESATEA au sein de leur organisation et 19% d'entre elles ont recruté un travailleur handicapé issu de ces structures ces 2 dernières années. Parmi elles, 9 sur 10 souhaitent de nouveau recruter auprès des ESATEA. Ensemble, œuvrons pour l'inclusion professionnelle et faisons accélérer la performance économique responsable des entreprises. Retrouvez l'intégralité des résultats sur réseau-gesat.com.